numéro 117, alerte rouge en Afrique, sortie le 4 août, boîte noire, sortie le 8 septembre. Amant, en salle le 17 novembre, classe égale à HRL Pierre Ninet a vécu une fin d'été chargée. Il est quand même parvenu à s'accorder un peu de répit. Sa compagne Natacha Andrews et lui ont profité de petites vacances et ont partagé de superbes photos souvenirs. Beyoncé et Jay-Z, Monsieur Pokora et Christina Milian, Aya Nakamura. Cet été encore. La Côte d'Azur fut la destination de vacances préférée des célébrités. Pierre Ninet et Natacha Andrews y ont également posé leurs valises. Le couple a séjourné dans la ville d'Aise, près de Nice. Ils ont séjourné au Cap d'Estelle. Un hôtel 5 étoiles que Pierre surnomme le Diamant et qui leur a offert une expérience de rêve. Tout de blanc vêtu en chemise déboutonnée et Jean, Pierre Ninet s'est doré la pilule et remis du tournage de Mascarade. Un autre de ses films à venir, réalisé et écrit par Nicolas Bedeau. Natacha Andrews a aussi posté de superbes clichés de leurs vacances à Aise. Les 6 jours de la création, chacun leur matinée et leur soirée. Montrant ainsi leur début et leur fin. Seul le 7e jour n'a pas de matinée ou de soirée. Il est à part de la création et appartient seul à l'ordre divin. Je voulais une journée sans matinée ni soirée. Je voulais une journée de repos, résume-t-elle en légende de son diaporama publié sur Instagram. La jolie brune a glissé 2 photos d'elle en bikini noir, et une vidéo montrant Pierre Ninet et elle en train de jouer aux échecs sur un échiquier à taille humaine. L'histoire d'amour de Pierre Ninet et Natacha Andrews a commencé en 2008. Ils sont parents de 2 filles. Lola et Billy, âgées de 4 et 2 ans. Les 2 jeunes parents se sont récemment distingués sur le tapis rouge de la 74e édition du Festival de Cannes. En se présentant ensemble sur le tapis rouge pour la projection d'Os 117, Alerte rouge en Afrique.